Lole fongwa mi peli sungi na yo. Oyo kilo sambo nangai. Peo sale linga ya kokamwa. Yawe. Lole fongwa mi peli sungi na yo. Oyo kilo sambo nangai. Shirabasa mperebusa. Peo sale linga ya kokamwa. Yawe. Lole fongwa miawa. Pona yembe la yo. Zembo ya motema. Poyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert. Pour que je te chante. Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu les mérites. Talalo le fongwa miawa. Je veux qu'une femme saisisse cette opportunité. Parce que le ciel est ouvert. Ce n'est pas que je l'ai dit pour vous faire plaisir. Ce n'est pas que je l'ai dit pour gagner du temps. Ce n'est pas que je l'ai dit pour que l'événement soit glorieux. Parce que ce ne sont pas mes paroles qui rendront la vie à quelqu'un. Mais ce sont les paroles qui viennent d'en haut. Or, le ciel est ouvert pour que les paroles d'en haut descendent sur nous. La Bible déclare, il leur envoya sa parole et c'est sa parole qui les guérit. Ce n'est pas la parole de Maman Matungulu qui guérit. Ce n'est pas la parole de Maman Philo qui guérit. Mais c'est la parole qui vient d'en haut. La parole qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je chante cette chanson. Je n'avais pas prévu de chanter cette chanson. Mais lorsque j'étais assise là, et que Maman Fanny avait fait l'ouverture, j'ai senti une chose différente. Entrer en ces lieux. Je veux que quelqu'un ne sorte pas à veine. Alléluia. Je veux qu'une femme sorte bénie ce soir. Non, le fongwa miawa. Hey! Alléluia. Hey! Zembo ya motema. Tango ele kayo boete. Poyo bongi nango. Jésus. Oui, le ciel est ouvert. Hey! Pour que je te chante. Jésus, le chant de mon cœur. Parce que tu les mérites. Oh Lola et Fongwa Miawa. Pona yemelayo. Zembo ya motema. Poyo bongi nango. Lole Fongwa Miawa. Pona yemelayo. Jésus, zembo ya motema nangaye. Jésus, poyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert. Pour que je te chante. Oui, le chant de mon cœur. Parce que tu les mérites. Yondo zana maloba ya Yahweh. Jésus. Yolis ibo ekauka.
Yahweh, yonde ozana maloba ya bomoi. Yahweh, yolizi bo ekaka kato. Yesu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton miracle. J'ai la foi que ce que tu m'as dit, tu vas m'exaucer. J'ai la foi qu'une femme ne sortira pas vaine en Seigneur. J'ai la foi qu'une femme va quitter pour triompher ce soir. J'ai la foi qu'une femme va briller ce soir. Car ta parole est vie. Et puisque nous allons l'écouter ce soir, laisse que Seigneur nous soyons nourris et que nos vies soient transformées. Je prie pour moi et pour l'interprète. Utilise-nous que nous puissions disparaître, mais que ta gloire se manifeste en ce lieu, pour que tu puisses donner gloire au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes. Nous applaudissons pour le Seigneur. Jésus. Alléluia, alléluia. Nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Amen le femme. Amen. Amen le femme. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es béni de Dieu. Je n'ai pas entendu. Ayoki o malamu te. Dis-lui, tu es béni de Dieu. C'est une belle opportunité. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais prêcher dans le département de femmes. Parce que souvent, je suis tellement évangélique que le thème qui concerne les femmes, pour moi, c'est difficile à aborder. Mais heureusement que ce n'est pas moi qui parle. Heureusement que ce n'a jamais été nous qui prêchons. Mais que c'est Dieu qui prêche au travers de nous. Amen. Voilà pourquoi je me réjouis ce soir. Parce que je serai béni par cette parole. Je serai béni par ce qui sera dit par le Seigneur aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse le chapitre 12 verset 1 à 3. Le chapitre 12 le verset 1 à 5. Ensuite nous allons lire Genèse chapitre 13 le verset 1. Molongo na yambo. Jusqu'à 13. Kino na molongo ya zomi na misato. Si la lectrice peut nous aider à la lecture. Soki motangi azali akosunga biso na litangi. Genèse chapitre 12 verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère,
avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Genèse chapitre 13, le verset du 1er au 13e verset. Du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait lui aussi de brebis, de bœufs et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, quittez. Loba na ndeko za peme na yo longwa to bima. Quittez. Bima. Ici la Bible nous dit. Ah, la Bible est zako bana biso. Que Dieu vient à Abraham. Et nzambe ayeke pa na Abraham. Et il lui dit. Alobi na ye. Quitte la maison de ton père. Longwa to bima na ndako tata na yo. Quitte ta patrie. Ça fait deux choses. Dieu lui demande de quitter sa patrie. Ensuite de quitter la maison de son père. Ensuite Dieu ajoute, je te bénirai. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on lit les passages, on comprend que quand Abraham a quitté, il a quitté avec les biens. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie-là. La Bible déclare que lorsqu'Abraham a quitté, non seulement il a quitté avec sa femme, il a quitté avec Lot, mais il a quitté aussi avec ses biens. Ça veut dire qu'Abraham Abraham n'était pas pauvre. Parce qu'il avait des biens. Il avait aussi des serviteurs. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction dont il s'agit ici, ce n'était pas que la bénédiction matérielle. Alléluia. Amen. Parce que la plupart de fois, lorsque Dieu dit à quelqu'un, je te bénirai, ou je te bénis, ou je vais te bénir, les gens pensent que cette bénédiction est attachée seulement au matériel. Et surtout que quand Dieu vient s'adresser à quelqu'un, il trouve cette personne toujours dans une faiblesse quelconque. Dieu ne s'adresse pas à une personne quand il est déjà fort. Alléluia. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, quand vous parcourez la Bible, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que Dieu est venu chez l'homme, il est venu parce que cet homme avait besoin d'une assurance, d'une force. Il avait besoin de se relever de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lisons, nous voyons que Abraham manquait quelque chose. Il avait les biens. Il avait une femme. Mais il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, le but de Dieu dans la vie d'Abraham, c'était de se créer une nation par Abraham. Ce n'était pas de se créer une richesse. Ce n'était pas de se créer de matériel. Dieu cherchait en Abraham une nation.
un peuple. Et écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu lui dit, pas seulement ta nation, mais il dit toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc Dieu voulait qu'à travers Abraham qu'il puisse faire alliance avec le monde pour que toutes les nations de la terre puissent bénéficier de sa bénédiction qui n'est pas matérielle. J'insiste sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, l'ancienne église, c'est une église que j'aimais beaucoup. Vous savez pourquoi? L'ancienne église était puissante. L'église était puissante. Elle était puissante pas parce que Dieu était puissant en ce moment-là et qu'il n'est pas puissant en ce moment-ci. Non. L'ancienne église était puissante parce que les gens de cette époque-là obéissaient à Dieu les yeux fermés. Hallelujah. Parce que les gens de cette époque-là croyaient en Dieu sans se poser des questions. Vous imaginez quelqu'un qui est dans sa patrie. Il est dans sa maison. Il a sa famille. À supposer seulement comme vous êtes là. Dieu vous parle en vous disant que voilà, vous devez déménager de Kinshasa et aller seulement là où Dieu va vous emmener. Je crois que vous allez prendre Internet. Vous allez taper sur Google. Vous allez commencer à chercher un endroit qui est paisible. C'est maintenant, en ce moment-là, que vous allez vous-même proposer à Dieu là où il va vous emmener. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu n'agit pas puissamment dans la vie de gens aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort, mais c'est parce que la foi n'est plus forte. Alléluia. Oh Jésus. Dieu est toujours puissant. Dieu agit toujours. Et la puissance de Dieu n'a pas changé. Car la parole me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que c'est lui qui a guéri le paralytique. Il a la capacité de guérir encore aujourd'hui. Mais regarde ce que Jésus faisait à l'époque. Quand Jésus venait, ce n'était pas Jésus qui guérissait l'enfant. C'était la foi de la personne qui avait guéri, qui se guérissait lui-même. Parce que pendant cette période-là, il y avait beaucoup de paralytiques, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup d'infirmes, mais ce ne sont pas tous qui guérissaient. Alléluia. Ceux qui guérissaient, c'était seulement ceux qui acceptaient, qui croyaient que la personne qui est en face de moi a la capacité et la puissance de changer les choses dans ma vie, de changer les lignes dans ma vie. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est faible parce que nous sommes en train de cracher sur les dons que Dieu nous donne. Et les dons de Dieu, ce sont les hommes. Les ministres de Dieu que Dieu place devant nous, ce sont eux les dons de l'église. Ce sont eux les dons du peuple. Tu es un don pour ta famille. Tu es un don pour cette nation. Mais parce que ta famille te crache dessus, il est impossible qu'il puisse vivre la main de Dieu au travers de toi. Alléluia. Amen. Alléluia.
Oh, Dieu agit en moi. Dieu agit parmi nous ici. Mais tu verras que lorsque je me tiendrai debout ici, comme aujourd'hui, Dieu peut-être agira sur une seule personne. Parce que d'autres personnes vont me voir comme un enfant. Ils sauront comment je suis arrivé ici. D'ailleurs, il y a d'autres qui commencent déjà à me cacola, c'est ça? Alléluia. Il faut toujours saisir l'opportunité de la délivrance quand Dieu vient vers toi. Je ne sais même pas pourquoi je dis ces choses, mais je suis convaincu dans mon cœur qu'aujourd'hui c'est le jour d'une personne. Alléluia. Amen. Parce que la grâce qui est sur moi est en train déjà de couler et de se déverser sur quelqu'un. Avant même que je ne puisse arriver au vif de mon sujet. La Bible dit que quand Abraham a quitté, il a quitté avec Lot. Il avait 75 ans quand il a quitté. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu voulait le bénir. Et la bénédiction de Dieu sur Abraham ne devait pas avoir un trait ou un lien avec sa famille. Parce que Dieu voulait faire une autre famille dans Abraham. Mais ça, Dieu n'a pas dit à Abraham. Je veux vraiment que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a dit à Abraham de quitter, Dieu ne lui a pas dit les desseins qu'il cachait dans ce qu'il lui a dit. Alléluia. Amen. Il lui a simplement dit quitte. Mais ce qui s'est caché dans ce que Dieu voulait dire à Abraham, c'était quitte hein, pour que tu ne te conformes pas avec ta famille, mais que tu me ressembles moi. Je vais te faire un nouveau modèle. Alléluia. Mais Abraham, en quittant, il a quitté avec son neveu. Qui, il me semble, qu'il n'était pas petit. Et il aimait vraiment Lot. Il l'aimait beaucoup. Abraham a bandé kolinga mwana kasanaye Lot ming. Et cet amour qu'il avait pour Lot est devenu pour lui un frein pour accéder à la promesse que Dieu lui avait faite. Et comment qui? Alléluia. Amen. Abraham a quitté à quel, quand il avait quel âge? Abraham a bimaki na mboka ni na ndoka tata ni tonza ina bambula boni. Quel âge? Ezai motuna azaki na âge ni 75 ans. Et quand il a été béni d'Isaac, il avait quel âge? Petango apambola makina Isaac, azaki na mbula boni. 100 ans. Ça fait combien d'années entre la promesse et la réalisation de la promesse? Natango zamba lekaki Abraham, natango bilake kokisa mesaki bambula boni. 25 ans. Vous savez bien aimé, quand Dieu dit une chose à quelqu'un, quand Dieu vient avec une promesse dans la vie de quelqu'un, il lui donne aussi les conditions. Et quand quelqu'un n'accepte pas les conditions, le problème c'est que Dieu ne va pas lui ôter la promesse, mais lui-même va retarder la promesse. Non, c'est l'homme qui a reçu la promesse qui va retarder la promesse. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, Dieu vient parler à une femme. Lelo zambe angi koloba na mwasi moko. Comme il a parlé à Abraham. Ndenge moko loba ki pe na Abraham. Quand Dieu est venu à Abraham, il lui a dit quitte. Il lui a donné des choses qu'il devait quitter. Ensuite, il lui a dit, je te bénirai. Nous aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu veut qu'on puisse quitter. Pour que nous soyons des femmes fortes qui allons impacter notre génération. Comme Marie, comme Esther, et comme Alléluia. Toutes ces femmes de la Bible. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne parle que de Marie, on ne parle que d'Esther. Pourquoi on ne peut pas parler de toi? Le loto betara masole ba Maria ya Esther a Bible ya pona ni te le loto kolobate pona yo. Alléluia. La première des choses que le Saint-Esprit me dit de te dire, de quitter, c'est de quitter les idées préconçues. Les idées préconçues, c'est quoi? C'est-à-dire que tu penses à quelque chose alors que tu n'as pas vérifié la véracité de cette chose. Je donne un exemple. Une jeune fille qui atteint 18 ans et qui reçoit un fiancé qui veut l'épouser et il dit nazo banga. J'ai peur. Si je vais au mariage là-bas, est-ce que je vais réussir? Pourquoi cette jeune fille a peur? Parce qu'elle-même, ne connaissant même pas ce qui l'attend là-bas, elle se fait des idées sur ce qui n'est pas. On t'appelle, on te dit viens. Tu vas aller travailler à la présidence. Tu n'as pas fait de grandes études. Maintenant, tu commences à te poser la question. Pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu n'as pas la foi. Les idées préconçues, ce sont des armes qui combattent notre foi. Parce que quand on croit, on ne pense pas. On fait des choses sans réfléchir. On ne sait même pas où on va, mais on va quand même. Je vous donne seulement un exemple. On nous a dit de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui a déjà vu Jésus? N'est-ce pas que nous avons cru à l'aveugle? Et nous sommes venus à lui et nous sommes en train de vivre ce qu'il fait. Mais maintenant, quand il veut nous faire monter une étape, on n'arrive pas à monter. Parce que le côté humain commence à travailler. Vous savez, un petit enfant, tu peux le placer sur une hauteur. Tant que tu n'as pas crié, l'enfant n'aura pas peur. Il peut même sauter dans le vide. Mais il suffit que tu commences à crier. Directement, cet enfant-là aura peur. Maintenant, regarde le monde. Le monde d'avant n'avait pas beaucoup d'informations. Alléluia. Amen. Et le fait de manquer des informations n'était pas mauvais. Pour eux. Parce qu'ils ne recevaient qu'une seule information. Là, je parle des chrétiens. Les chrétiens ne recevaient qu'une seule information. L'information qui vient d'en haut. Mais maintenant, il y a beaucoup
beaucoup d'informations avec Internet. Et les chrétiens ne reçoivent plus que des informations d'en haut. Ils commencent à mélanger des informations. Et ces informations qu'ils mélangent créent en lui des idées préconçues. Aujourd'hui, nous avons des coachs et des coachs et des coachs et des coachs. Le lot sur Internet, il suffit que tu entres sur TikTok. Internet, plein de coachs. Comment faire pour gagner ce qui n'est pas? Comment faire pour séduire ce qui n'est pas? 10 raisons pour faire ce qui pour gagner ou pour perdre un mari. 10 raisons pour bonnes raisons pour avancer dans la vie. Mais quand nous regardons, nous nous rendons compte que même les chrétiens sont en train de suivre ce coach-là. Mais si nous sondons dans la vie de ce coach-là, ce qu'ils reçoivent ne vient pas d'en haut. Alléluia. Amen. Oh oui, Jésus. Et ils ont tellement pris de l'ampleur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont fondé la foi de beaucoup de femmes de foyer. Ils ont fondé la foi de beaucoup de jeunes filles. Ils ont fondé la foi de beaucoup d'adolescents. Et en plus, qu'est-ce que le diable a fait? Il les a beaucoup aidés. Hein? Il les a propulsés avec l'argent. Ils se sont fabriqués. Ils ont fait des opérations. Et ils nous ont présenté un prototype d'une belle femme ou d'un bel homme. C'est un prototype, ce n'est pas ça la beauté. Mais là, ils nous ont présenté une beauté artificielle et fabriquée. Et nous tous, nous sommes restés admiratifs devant ces gens que nous voyons. Alors qu'ils sont faux. Hallelujah. Cette beauté que nous admirons, bon, ces gens que nous voulons ressembler, ne sont même pas ce qu'ils sont. Bazali atate oyo bazali. Ils ont été préfabriqués. Bango basi na kobongisama na ndenge ya bomoto. Dieu dit qu'il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu a fait l'homme, il n'a pas fait d'erreur. Mais quand maintenant ce coach-là, qu'on a préfabriqué, commence à te dire des choses, même parfois des choses sur lesquelles lui-même a déjà échoué. Quelle est la différence entre nous et eux? Nous nous donnons un témoignage de notre vécu. Et notre témoignage reste véritable parce que le témoignage s'appuie sur la vérité. Mais eux, ils vous racontent des mensonges qu'ils ont fabriqués, qu'ils veulent que vous voyez. Le foyer où l'homme et la femme se touchent, on met sur Internet, ils se font des bisous, après le lendemain, ils divorcent. Et vous, vous restez admirative surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Et même les mamans d'aujourd'hui veulent rentrer des jeunes filles pour se remarier avec d'autres maris qui seront beaux comme ce qu'on voit sur Internet. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regrettent d'être rentrés dans un mariage. Il y a des gens qui regrettent d'être nés dans une famille quelconque. Il y a des gens qui regrettent d'être nés au Congo. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quoi? Quand Dieu nous dit quitte, il ne nous amène pas directement à la gloire.
Alléluia. Quand Dieu veut que tu quittes, il te fait passer dans le désert pour que tu sois forte. Et quand tu deviens forte, tu deviens un témoignage vivant. Pas un préfabriqué, mais tu as un témoignage qui change. Paul dit, la parole que je vous prêche, ce n'est pas une parole persuasive. Pour que vous puissiez être séduits. Mais c'est une parole qui est accompagnée de la puissance de Dieu. Et la parole qui est accompagnée par la puissance, c'est la parole qui est vérité. Oh Jésus. Je viens révolter une femme aujourd'hui. Tu peux être le coach des enfants du quartier. Tu peux être. Mais il faut que tu acceptes de quitter quelque chose. De quitter ses idées préconçues. De te dire que je suis encore pauvre. Je ne peux pas aller prêcher les riches, que je ne suis pas belle, je ne peux pas me présenter devant les gens. Ces idées préconçues empêchent que ce que Dieu a placé en toi de pouvoir éclore. Est-ce que moi je suis en train de maboko maboko wane zo komi so moi si zo pesa batu toli. La Bible déclare Bible dans Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je me souviens. Quand je voyais, j'étais petite. À l'époque où l'évangile était puissant. Je dis pas qu'aujourd'hui ce n'est pas. J'ai répété ça au début. Il y avait des hommes et des femmes de foi. Alors je voyais notre papa avec ses amis. Ils étaient encore trop jeunes. Et nous on était très des enfants. Et je les admirais. Et dans mon cœur, je me disais que moi je ne serais pas pasteur. Mais moi j'aimerais que quand je chante, la puissance de Dieu qui se manifeste en eux, ceci s'est manifesté en moi. Alléluia. J'ai soupiré après ça. Quand je voyais l'apôtre Aïdi Nabal faire des miracles, moi je disais, moi je ne vais pas prêcher. Mais j'aimerais que quand je chante, qu'il se passe des miracles comme ce que je vois. Parce que je me disais, mais ils sont comme moi. S'ils font ça, donc moi aussi, je peux faire ça. La première des choses que j'ai faites, j'ai enlevé toutes les idées préconçues sur le jeûne et la prière. Parce qu'avant, je pensais que si tu jeûnes beaucoup, tu vas mourir. Si tu restes longtemps affamé, tu vas mourir. Et bien aimé, j'ai jeûné pendant 21 jours. Pour ma première fois. Mais je n'ai pendant 3 jours à sec. Mais j'ai décidé de chercher le Dieu là que j'ai vu nos papas servir. Pour que moi aussi ma vie ait un sens. Vous savez, je ne suis pas allé chercher l'école pour que ma vie ait un sens. Je me suis rendu compte que ces hommes-là ont impacté leur temps. Et jusqu'aujourd'hui, on peut parler d'Aïdi Nabal.
parce qu'il a impacté son temps. Mais il y a des gens à son époque qui ont fait des grandes études. Aujourd'hui, on ne connaît même pas leur nom. Je ne dis pas que faire de grandes études, c'est mauvais. Mais je dis simplement, avec l'Esprit de Dieu, si tu fais des grandes études, tu seras Daniel. Tu apporteras la solution dans cette nation. Le problème n'est pas dans l'intelligence. Le problème, c'est ce qui accompagne cette intelligence. Le problème, ce n'est pas de faire le commerce. Le problème, c'est ce qui accompagne le commerce. Le problème, ce n'est pas de se marier. Le problème, c'est ce qui t'accompagne dans le mariage. Oh Jésus. Alléluia. La Bible déclare, Bible est atori. Mon juste vivra par la foi. J'ai fait ma prière de 21 jours. La première semaine, je ne pensais qu'à la nourriture. Quand je vais sortir ici, je vais manger des fufu. Je vais préparer une grande viande. J'ai fait beaucoup de temps, j'ai perdu de temps. Et chaque soir, on m'amenait un petit pain et du thé. La deuxième semaine, je dis, j'ai l'impression que manger me déconcentre. On m'amène seulement les arachides et de l'eau. La deuxième semaine, on m'a amené les arachides et de l'eau. Je ne me lavais pas. Je ne sortais pas de la pièce où j'étais. Je ne voyais personne. Alléluia. Amen. Alléluia. La troisième semaine, je me suis rendu compte que souvent j'étais, quand j'ai prié, j'attendais le moment où on va m'amener les arachides. J'ai vu que ça me faisait perdre du temps. J'ai dit, la dernière semaine, je ne vais rien. Comme ça, je ne vais attendre rien. Parce que je suis venu chercher Dieu. Et depuis que je le cherche, il ne m'a même pas encore parlé. Alors la troisième semaine, j'ai commencé le sec. La première semaine, je dormais par terre pour prier. La deuxième semaine, j'étais même comme ça. J'ai pris seulement Dieu en toutes les positions. Mais la troisième semaine, je suis tombé sur un passage. Il y a un Corinthien. Où on dit, aspirez aux dons. Mais surtout au don de la prophétie. Bien aimé, j'ai quitté quelque chose pour atteindre ce niveau-là. Les idées préconçues. Que moi je ne peux pas. Que c'est eux seulement qui peuvent. Quand j'ai quitté ça, j'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé dans ma chambre. Et la maison voisine a entendu le nom d'un membre de leur famille. Dans ce que je disais dans ma chambre. Alors ils sont sortis. Ils sont venus à la fenêtre. Et ils ont commencé à écrire. Maintenant ma voix, ça se faisait entendre presque partout dans les quartiers. Et à l'heure où je me mettais à prier, ma famille priait, les gens du quartier commençaient à prier. On était devenus comme les quartiers où les gens priaient. À la même heure. Alléluia. Amen. Et j'ai pu tenir 7 jours secs. Je me souviens que quand je suis sorti de là, je ne parlais qu'en langue. Et parfois, je pensais que je suis en train de parler à quelqu'un comme ça. C'était une très belle expérience. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aspirais aux dons. Moi, j'aspirais à ce que je puisse aider les gens.
dans le salut. Et Dieu a vu mon besoin. Quand il m'a appelé dans sa présence, je n'ai pas hésité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'évangile au travers de moi. Non pas parce que je suis spécial, mais c'est parce que j'ai décidé de quitter les idées préconçues et de pouvoir faire ce que Dieu attendait de moi. Un peu comme ce que maman Tété a dit. Qu'est-ce que tu sens en toi? Oh Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire? Et quand j'ai prophétisé, j'ai commencé à prophétiser pour ma famille. Et je peux vous assurer que les choses que j'ai dites à cette époque-là, au travers de ce que Dieu avait placé en moi, aujourd'hui je le vois se réaliser. Bien-aimé, il n'est pas impossible que le Seigneur agisse au travers de toi. Ce n'est pas que pour le don spirituel. Il n'est pas impossible que Dieu relève cette nation au travers de toi. Il n'est pas impossible que Dieu fasse quelque chose dans la vie de ton mari au travers de toi. Il n'est pas impossible que Dieu fasse quelque chose dans tes études, que Dieu fasse quelque chose dans ton université au travers de toi. Le problème, c'est que tu as beaucoup d'idées préconçues. On n'aide pas les maris. Si on aide les maris, il va fuir. Je ne peux pas prier pour un mari. Parce que les hommes sont seulement. Donc, les coachs, ils t'ont déjà imprimé une autre vie qui n'a rien à voir avec les Écritures. Moi, l'Écriture, dans Proverbe, on ne me montre pas un homme qui travaille. La femme sage qu'on me montre dans Proverbe, c'est elle qui travaille. Et on me dit que l'homme, il est à la porte de la ville. Un peu comme aujourd'hui, les gens qui se lèvent là sur Lemba, les gens de, qui sont politiques. Et la Bible déclare, la femme là qui travaille, qui est au four et au moulin, son mari lorsqu'il se réunit avec ses amis, il est en train de les vanter. Mais les coachs, inspirés par le diable, est venu introduire une pensée préconçue dans la tête de la femme. Que et si tu travailles, ton mari va te fuir. Ton mari va te débrouiller de toi. Alléluia. Moi, je me réfère à la parole de Dieu. Beaucoup de femmes sont, ont fait partir les hommes de leur vie parce qu'ils n'avaient rien. Alors que toute la richesse est dans la femme. Est-ce que moi je vais mettre la colonne? La preuve, la plupart de femmes viennent peut-être de familles pauvres. Et les hommes aussi, peut-être dans la famille pauvre. Mais les jours où ils se marient, directement l'homme se propulse. Qu'est-ce qui vient de se passer? La richesse a rencontré son propriétaire. Et le propriétaire ne fait que puiser dans cette source. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Le diable veut te changer ton identité. Pour que, en fait, regardez, observez. Depuis qu'on est en train de nous faire passer du temps avec cette histoire de parité, d'émancipation, est-ce que les familles ont changé? N'est-ce pas que les familles sont devenues pires? Aujourd'hui, maintenant, les enfants sont devenus des délinquants, des lesbiennes, des homosexuels. Mais pendant que cette famille était forte, où l'homme et la femme étaient soudés, où la femme ne voyait pas l'infidélité de son mari, où la femme ne s'intéressait pas à toutes ces choses-là, elle ne faisait que prier.
Ces hommes-là, dans leur vieillesse, ont commencé à servir Dieu. N'est-ce pas que c'est une âme que tu gagnes? Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu, le diable vient vous faire perdre votre temps? Au lieu que tu pries pour cet impudique-là, tu divorces pour aller te marier avec un double impudique. Et toi-même, tu deviens aussi impudique. Parce que la Bible déclare que celui qui divorce et se remarie commet l'adultère. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Okobete la kolo maboko. Ah, sala yango malamu malamu. C'est un beau sujet. Vous devez vraiment avoir beaucoup de points à débattre. Malheureusement, conférence n'a qu'un seul jour. Le diable est venu changer toute chose. Il a inculqué une nouvelle pensée. Bien-aimé, si vous regardez très bien, toutes les choses sur lesquelles vous vous appuyez votre foi, si vous cherchez ça dans la Bible, ça n'existe pas. Toutes ces choses-là que vous commencez à faire, que ce soit dans votre vie de jeunesse ou tout comme dans vos foyers, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Maintenant, je me demande, la Bible déclare que celui qui enlèvera même une virgule de cette chose n'aura pas part au royaume des cieux. Maintenant, je me pose la question. Quel est le travail de ce coach-là dans la vie des gens? N'est-ce pas qu'ils sont en train de prêcher l'évangile, leur évangile? Mais pour amener les gens en enfer, pour les écarter de la destinée, bien-aimée femme, bien-aimée jeune fille, ce que Dieu a placé dans les Écritures est pour notre bien. Alléluia. Il n'y a aucune gloire sans la souffrance. Alléluia. Quand on parle de triompher, ça veut dire que quelqu'un a combattu. Ça veut dire que quand je quitte, je ne suis pas en train de quitter quelque chose de facile. Je ne quitte pas quelque chose de simple. Quand on me demande de quitter, ça veut dire que la chose est difficile. Il faut que je me batte contre ça. Alléluia. Oh, Jésus. Nous allons passer rapidement sur le deuxième point. Je crois que c'est là que nous allons chuter. La deuxième chose que le Seigneur veut que nous puissions quitter, c'est le désir de la chair. Alléluia. Alléluia. On va nous lire Galates 5, 16. Galates chapitre 5, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Descendez. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Nous lisons Romains 8, le chapitre 8, le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous démontre ma la différence entre ceux qui vivent selon l'esprit et ceux qui vivent selon la chair. Vous savez, parfois, nous pensons que le désir de la chair, c'est seulement l'impudicité. La plupart d'entre nous, on ne pêche plus dans ces péchés-là. Ces péchés-là, on a déjà abandonné. La plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Mais il y a d'autres désirs de la chair, comme la convoitise. On nous a dit que la pauvreté, le manque, amène la convoitise. Et la convoitise amène au péché, c'est ouvre la porte à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelqu'un qui m'a maudit sans qu'il ne me connaisse. Mais quand j'ai grandi, c'est là qu'il est venu confesser parce qu'il a dit, je ne pensais pas, le jour où j'ai prié pour elle, et les démons se sont manifestés, elle est guérie. Elle vient me dire, tu sais, quand tu étais jeune, je te voyais seulement passer. Et puis je me dis, cette fille comme ça, ça pourquoi? Qu'elle tombe même malade. Qu'elle devienne même infirme. Elle a commencé à dire des choses. Pourquoi elle se pavane? Parce que moi, quand j'étais jeune fille, je pensais que tout le monde était à moi. Le monde entier m'appartenait. Maintenant, j'ai marché comme si le reste du monde n'existait pas. Alléluia. Je pense que c'est ça en fait. Vous voyez quand on est adolescente, hein? On se sent un peu. C'est à cause de ça. Elle est, elle a eu en fait l'envie dans son cœur. Elle m'a maudite. Et une porte s'est ouverte. Et je suis tombée malade. Et je commençais à souffrir sévèrement. Et le jour où elle a appris ça, elle est venue confesser. Elle me dit, je ne sais pas si, si c'est moi qui ai fait ça. Mais pardonne-moi. Alléluia. Amen. Vous voyez combien il y a des choses qui nous arrivent par des gens que nous ne connaissons même pas. La convoitise, la calomnie, la méchanceté, mauvaise pensée sur les autres. Et ces choses sont parmi nous les chrétiens en abondance. Ça diminue la force de l'esprit en nous. Alléluia. L'esprit ne peut pas travailler dans une âme souillée. Et le désir de la chair nous souille. La Bible déclare que nous puissions nous séparer du vieil homme. C'est dans le vieil homme là qui a tous ses désirs. Quand nous nous attachons à Dieu, cela fait que on ne peut pas avoir de l'inimitié dans le Seigneur. Nous pouvons avoir des problèmes, mais nous devons nous pardonner. L'Église sera forte. Vous savez, je peux même déclencher un miracle maintenant. Nous pouvons déclencher un miracle maintenant. Mais seulement si vous et moi, nous croyons en cela, on va accéder à ces miracles. Mais si vous et moi, nous avons déjà des conflits, et que vous et le prochain, vous avez des conflits, la Bible déclare que le Père et Jésus ne viendront pas. Quand
votre mari et vous, vous avez tellement de conflits. Dieu et son fils ne viendront pas. Parce que Christ dit, soyez un, comme moi et le Père nous sommes un. C'est là que moi et le Père nous viendrons. C'est-à-dire que dans ces départements de femmes, ces femmes du monde, les femmes du monde entier, si nous nous assemblons, nous devenons une seule personne. Tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Et ça, je l'ai dit, je le crois. Je ne le dis pas seulement pour le dire. J'ai déjà vécu des choses similaires. Des gens qui s'assemblent et qui prient et du haut des cieux, Dieu entend et répond. C'est parce que le cœur est pur. Tu dois te séparer de cette chose-là. C'est en train d'empêcher que tu puisses briller. Cela empêche que tu puisses triompher. À chaque fois que tu veux te battre, il y a ces péchés-là qui est en train de te dire, est-ce que toi tu mérites? Est-ce que toi tu peux faire? Il faut que tu te sépares de ça. Ces péchés-là, c'est comme Lot. C'est en train de t'empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu. Ces péchés-là, c'est Lot qui t'empêche de pouvoir entrer dans la gloire de ta destinée. Alléluia. Amen. Je viens dire, je ne parle pas des richesses matérielles. Vous savez, vous pouvez être le plus riche du monde. Mais s'il n'y a rien qui accompagne votre richesse, vous allez chuter et tomber. Dieu n'attend pas de femmes intelligentes. Je suis en train de peser mes mots. Dieu n'a rien à faire avec des femmes intelligentes. Dis à ton voisin, Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien à faire avec une femme intelligente. Les femmes intelligentes, ce sont des femmes qui, en lingala, ça va être bien dit. Alléluia. Et ça passe au panzaka. Alléluia. Vous savez pourquoi? Oui, quand une femme est intelligente, moi, c'est ça, elle veut, en fait, nous de nature, on est comme des fleurs. On est comme des lumières. Partout où on est, on veut qu'on puisse voir. Bref, quand une femme devient, quand une adolescente devient adolescente, directement, elle se maquille. Le soir, à 18h, elle n'a rien à faire. Elle sort sur l'avenue. Elle n'a pas fait ça. Moi, j'ai fait ça. À 18h, je porte un pantalon là ou bien une culotte. Pourquoi? Moi, pantalon, moi, culotte. Quand je vois les gens, j'arrange encore mon démarche. Alléluia. Sans une mauvaise pensée, hein. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire ça. C'est ce qu'on appelle le kibomwasi. Alléluia. Maintenant, une femme intelligente voudra aussi montrer son intelligence. Elle va se confronter aux hommes qui n'aiment pas que les femmes dominent. Et c'est pour ça que vous voyez les femmes intelligentes sont en train d'être écrasées. Vous allez revendiquer. Les femmes intelligentes, alléluia. Vous allez revendiquer vos droits. Jusqu'à changer le monde. Et les choses ne vont pas changer pour vous. Dieu a besoin de femmes sages. Dieu a besoin de femmes sages. La sagesse fait asseoir l'intelligence. Tu peux voir un homme qui est là, qui veut dominer, qui veut t'écraser. Mais si tu lui apportes la sagesse, directement, il va s'asseoir.
Dieu a besoin que nous puissions développer la sagesse. Développe la sagesse. Trouve la sagesse. Tu vas résoudre tous les problèmes de ta vie. Tu dis tout le temps, maman est contre moi. Elle ne m'accepte pas. Elle ne veut pas que je fasse X ou Y chose. Mais c'est parce que tu n'es pas sage. Quand tu viens l'aborder, tu l'abordes avec intelligence. Femme, moi si, même dans le foyer, tu viens amener toute l'intelligence que tu as à l'école, toute l'intelligence que tu as à l'université, tu amènes ça dans le foyer, tu vois toi et ton intelligence, on va faire bagage sur vous, on va vous ramener chez vous, et tu seras une femme intelligente sans mariage, ou une femme intelligente dans le mariage qui souffre. Alléluia. Amen. Quitte cette chose-là. Bima, to longwa na kata ba makabwana. Quitte ce désir-là. Longwa bima na kata ba posa ya bonsotwana. Longwa bima na kata ki bongai. Ces choses-là qui te dit tout le temps ngai na kosa la beauté. Ça, ce sont les désirs de la chair. Bima na kata ba posa ya bonsotwana. Accepter. Moi, je ne peux pas faire ceci. Ngai na kosa la beauté. Bakolo bananga boyete. Dieu a une mission avec toi. Il y a des choses que tu dois faire pour que ton mariage fonctionne. Il y a des choses que tu dois faire pour que ta famille aille de l'avant. Il y a des choses que tu dois faire pour que ta famille soit délivrée. Il y a des choses que tu dois faire pour que cette nation soit délivrée. Dieu compte sur toi, femme. Que toi, tu es quelqu'un qui peut rester longtemps dans la prière. En Israël, on n'avait pas cherché des hommes pleureuses. Mais ils ont cherché les femmes pleureuses. Les femmes savent toucher le cœur de Dieu. Les femmes savent changer les choses. Dieu attend que tu t'élèves, que tu quittes les choses qui te font passer du temps pour que ta lumière puisse briller dans ce quartier-là. Je ne parle pas de richesse physique. Je parle de cette richesse spirituelle qui est cachée en toi, qui lorsqu'elle se manifeste, toutes les richesses physiques, toutes les richesses matérielles, toutes les richesses financières vont éclore. Alléluia. Dieu attend cette femme-là. Je veux qu'une femme s'élève pour que vous puissiez prier. Il y a des maladies qui persistent parce que tu n'as pas encore quitté. Il y a un démon qui te résiste parce que tu ne veux pas quitter. Tout le temps quand on vient prier pour toi, tu tombes toujours parce que tu n'as pas encore quitté. Les choses ne marchent pas. Ce n'est pas la faute de ton mari. Ce n'est pas la faute de tes enfants. Ce n'est pas la faute de tes parents. Si ça ne marche pas, il y a des choses que toi tu dois quitter pour que tu apportes la lumière. Tu dois être les Abraham de ta vie. Lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, les choses ont commencé à changer. Lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, Isaac est venu. Alléluia. Toi aussi, yes, tu dois te séparer pour que Isaac vienne. Parce que derrière Isaac, il y a une promesse d'une nation. Derrière Isaac, il y a une grande promesse cachée. Tu sais ce que Dieu t'a dit de quitter. Tu connais les promesses que Dieu avait placées en toi. Tu sais ce que Dieu avait dit que ça va t'arriver. Oh Jésus. Maintenant, il est temps que tu quittes. Pour que cette église
puisse grandir, nous devons quitter toutes ces inimitiés que nous avons entre nous, les manques d'acceptation de l'un de l'autre, les manques d'acceptation de du talent de l'autre. Nous devons quitter les calomnies inutiles, les idées préconçues que nous avons sur les autres. Nous devons quitter. Dieu ne descendra plus du ciel, le Saint-Esprit ne descendra plus du ciel. Il est déjà avec nous. Pour qu'il agisse, il a besoin de nous. Pour qu'il se mette en action, il a besoin de nous. Christ disait, ta foi t'a sauvé, c'est ta foi qui te sauve. Les choses qui traînent là, c'est parce que ta foi n'est pas encore en action. Je pensais qu'une femme va déjà commencer à prier en disant, Dieu, j'accepte de quitter. J'accepte de quitter pour que ce miracle-là vienne à moi. J'accepte de quitter pour que je te serve dans la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup aussi qui ne vont pas quitter. Alléluia. Mais ceux qui vont quitter vont expérimenter les choses que nous expérimentons. Vont expérimenter plus que ce que nous expérimentons. Parce que Dieu est juste et fidèle. Et sa parole reste véritable. Seigneur, nous acceptons. J'accepte de quitter. Je quitte ces choses qui m'empêchaient, Seigneur, de pouvoir accéder à mon miracle. J'accepte aujourd'hui de quitter ces choses qui m'empêchaient de pouvoir vivre la grâce de Dieu, de pouvoir être cette bénédiction que tu as fait de moi. J'accepte, Seigneur, de me séparer des choses, Seigneur, qui m'éloignent de toi pour que mon étoile pour que je puisse triompher. Seigneur, j'accepte aujourd'hui. J'ai pensé qu'une femme allait prier parce qu'elle a compris que la clé de sa bénédiction, c'est elle qui la retient. Alléluia. Moi, si moi, comme matin, le sambo, le sambo, ndenge mokolo baki na Abraham abima ngai pe nanzimi kolongwa na eloko oyo mata bilaka yo pesanga na bomba na motema hata eumeli nango suka ekoko kisama. Je ne perdre pas patience. Motema ezana molendeo. Jésus. Ponaye bizambe alola. Mets ta foi en cette chose. Tiens, consumando na pokwa le kobungisa makanisi na yote. Mwana motote poyo wangana. Banda koloba na nzambe. Hallelujah. Bilaka oya pesa kiyo. Hallelujah. Lolenge yo bimi. Le lenge yon dimi kotika. Okomona biloko wana kokokisama. Déclare ces choses. Tatola makambo yo. Déclare ces choses. Tatola loba na konzima. Kobungisa makanti na yote. Loba na nzambe, Seigneur, je crois que tu peux tout. Ozoba na nzambe, je crois à tes promesses. Comme j'ai quitté ces choses, je crois à ce que tu m'as dit. Tu les réaliseras. Loba avec assurance. Loba avec détermination. Le Dieu qui écoute la prière est en ce lieu. Le Dieu qui écoute la prière est en ce lieu. Il est tout près de toi. Celui qui a fait des promesses est juste et fidèle. Il est là près de toi. Dispose ton cœur. Parle à ton Dieu. Éternel, tu as dit dans ta parole, il leur envoya sa parole et la parole les guérit.
la parole le zota dans la fosse. Luloba elongola kibangona kat na maburi ya kufa. Éternel, nous te recommandons toutes ces femmes présentes en ces lieux. Zambe to tiki basio nyonso bazana na maboko. Comme Abraham, tu leur as demandé de quitter. Ndenge moko sengi na Abraham alongwa. Chacun d'entre nous sait dans quoi tu veux qu'il quitte. Moko na moko na biso wa ayebi na nino lebi na lo. Ce n'est pas simple de pouvoir quitter ces choses. Ezali petete pona kobima na kata mama. Mais nous croyons, Seigneur, que toi qui nous demandes de quitter, et yo sengi so to bima. Tu as déjà préparé une provision pour nous. Et si o bongisi biloko sengeli pona biso. Pourquoi nous venons à toi? Nous te prions, Seigneur, de donner la force à chacun pour qu'après, Seigneur, ce qu'on fait, que nous puissions marcher conformément à ta parole. Et qu'un miracle, oh Dieu, puisque tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir, ceux qui auront, Seigneur, suivi ces voies, Seigneur, laisse que tes miracles puissent les accompagner. Laisse qu'en cette année même, qu'elles puissent témoigner tes prodiges, qu'elles puissent témoigner tes bienfaits. Nous avons prié ainsi dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Maboko, maboko.